Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le balai Ilbaze. Donc voilà, c'est celui-ci. Voilà, donc il fait une largeur de 62 cm. Voilà, donc c'est avec des velcro pour attacher la microfibre. Donc ça, c'est très très bien. Donc voilà, j'ai pris la serpillière verte, enfin la microfibre plutôt. Voilà, donc je vais tester avec vous le balai que je viens de recevoir à l'instant. Ce qui est pratique, c'est qu'il peut aller sous les meubles. Voilà, il est vraiment très très fin. On peut donc faire comme ceci. Voilà, et puis alors c'est un gain de temps considérable. Voilà, moi qui ai une grande maison, pour faire la maison comme ça, si je ne veux pas utiliser mon cobalt alors que je l'adore, mais par contre, le cobalt ne va pas sous les meubles. Voilà. Donc, voilà. Je vous le présente. Voilà, il est très maniable. Voilà, on peut vraiment le tourner n'importe comment. Voilà. Là, c'est en mousse. Voilà, le manche donc. Là, c'est pour régler la hauteur. Voilà, donc pour l'accrocher, hop. Ensuite, on ferme bien. Ça se visse en fait. Et j'ai eu aussi la petite raclette pour enlever tout ce qui est peluche en dessous de la microfibre. Voilà, donc je vous fais un petit test et je reviens vers vous. Voilà, donc très pratique. Voilà, il va même jusqu'au joint. Voilà, en un seul passage, c'est mouillé et j'ai gagné au moins beaucoup de temps. Voilà, parce que j'en ai une autre, mais elle fait 30 cm à peine. Donc, ça me fait perdre du temps, c'est pas un gain de temps. Donc, voilà. Et là, en même pas 2 minutes top chrono, c'est propre. Voilà, donc j'ai nettoyé avec un petit peu de vinaigre et un petit peu de produit sol. Voilà. Donc, j'en suis très, très ravie. Donc là, on va faire, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai des traces de chien. Voilà, des pattes du chien. Voilà, donc, pour l'entretien quotidien, c'est quand même pratique parce que ça prend 2-2 avec... une grande microfibre comme ça et tout. Donc, hop. Et vous voyez comment, hop, à un seul passage, j'ai fait la moitié de la pièce là où je suis. Voilà. Donc j'en suis pas mécontente. Voilà, pour me faire gagner du temps et également sous les meubles, parce que là vous voyez, je n'ai pas encore des plaintes. Vous voyez, ma cuisine n'est pas encore finie. Et donc là, pour l'instant, faut nettoyer en dessous bien sûr. Mais avec les plaintes qu'on va mettre plus tard, voilà, ça, on aura pu à passer en dessous des meubles de cuisine pour faire le nettoyage, enfin moins que tous les jours, voilà, parce que là la poussière ça s'incruste tous les jours, la poussière, les poils de chien, les poils de chat aussi, donc c'est un petit peu voilà, elle n'est pas encore finie, j'ai trop hâte qu'elle soit finie ma cuisine. Voilà, et puis vous voyez, ça attrape comme un aimant. Voilà. Donc même pour bien passer sous le frigo, vous voyez, hop. Voilà. Bon, là j'ai mon chat qui fait sa petite commère. Elle se demande ce qui se passe. Hein, Ozzy? Voilà, c'est une petite commère celle-là. Mais elle est très mignonne.
mais elle a son petit caractère. Donc voilà, vous voyez que c'est bien propre. Et voilà, ça va bien briller. Donc voilà, je vais l'utiliser plus que mon petit balai microfibre que j'ai. Et pourtant, au début j'étais satisfaite, mais quand je vois que lui, il a une capacité de 60 cm, enfin il fait 60 cm de long, donc voilà, en un seul passage, hop. Voilà, même pour faire un petit balai à la main pour éviter de passer l'aspirateur, voilà, ça attrape comme un aimant. Voilà, les microfibres, et puis hop, c'est clean. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Et je referai d'autres vidéos comme ceci de tests de produits. Bisous, bisous.